Ah. On a vu bien pour ma silhouette. Mon élégance, ma souplesse et mon maintien. On a vu bien pour la couleur de mes chaussettes. Mon vrai sourire et mon vrai profil atteignant. On a vu bien pour mon esprit, mes belles manières, ma taille de jeune, mon tas de lys, ma peau de satin. Je n'y peux rien et j'ai mon temps me laisser faire. On a des gars, on a des gars, on a des gars. Bye.
J'ai voulu me noyer dans le lac. Seulement l'eau était trop froide, alors je me suis noyé dans le vin rouge. Parce que celui-là, il était chambré. Et en plus, c'était un mouton Rothschild de 44. Oh, une bonne année, ça. Dans quel état vous êtes? Un mouton Rothschild? Mais vous n'avez pas honte? Juste le jour où la baronne de Rothschild vient nous rendre visite. Quelle coïncidence, hein? La baba de Roro, là. Il m'en tape, moi, la baronne de Rothschild ou le prince ou le roi Prusse, moi, ça m'est égal. Quoique, le vin de la baronne est certainement meilleur que celui du roi Prusse. Mais enfin, Henri Peul, moi, j'avais pensé que vous auriez pu vous prendre du service. Hé, a vu, Yendon? Mais voyons, mais clou, vous m'avez balancé, moi, je pars et je ne reviens plus. Je suis en congé de séparation, vous là, moi là. Mais qu'est-ce que je vais faire? Mais vous croyez de trouver une solution? Le défilé en l'honneur de la baronne va bientôt commencer. Attends. Henri Paul. Oui. Je vous en supplie. Si vous croyez que c'est comme ça qu'on supplie Henri Paul. À genoux, madame. On en pourrait faire, mon ami. À genoux, je pars. Henri Paul. Oui, je reviens. Mais je dis pas pour ça. Les deux genoux. C'est un gala. Et bien voilà, il suffit de le demander gentiment et polo. I'm with you.
stay with me, my mama, 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 my On fera ce qu'on pourra, mais enfin on verra. Mais pourquoi tous si ému? Oh, ben, vous savez,
Je voudrais bien vous y voir, moi, si vous étiez devant la baronne de votre vin préféré. Eh bien, je vais vous dire quelque chose. Cela m'arrive tous les matins devant mon miroir. Oh, ben, elle est bonne, celle-là. Elle est bonne. Eh bien, madame la baronne, je vais vous dire quelque chose. L'homme que vous avez devant vous est un homme désespéré. Désespéré parce que celle qu'il aime, en aime un autre. Un qui ne s'intéresse qu'à la fille d'un petit marchand de combinaison. Oh, le petit marchand de combinaison, c'est ce qu'il te dit, Henri Paul. Il y a du monde, je préfère me taire. Mais en tout cas, c'est pour avoir trop aimé sa bien-aimée qu'elle l'a balancée. Aussi, je veux le dire devant tout le monde. Je l'aime encore. Oui, je l'aime encore. Je te sens pour elle, mais près de toi c'est de la vie.
crois-moi, et t'es pas dans mes pas. Et crois-toi, et crois-moi, et tombe dans mon bras. Et crois-toi, et crois-moi, et tombe dans mon cœur. Oh, crois pour moi, le grand bonheur, c'est toi. Thank you.
J'aime les oies, 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 oies criant. Quand ils s'envolent, volent, volent en chantant. Au-dessus des buissons. J'aime le chant, chant, chant des breuils. J'aime aussi le vent dans les feuilles. Et quand je vois un petit chevreuil, c'est beau. La lame à l'œil. Oui, j'aime les l'écureuil. J'aime les caca. On est qu'est-ce qu'il dit là? Les canards. J'aime les sapins. Et les hiboux, boux, boux, dans le noir. J'aime le coucher, coucher, du soleil. J'aime les abeilles, valer les moustiques. Et quand je deviens complètement hystérique dans la forêt. Moi, je trouve le bonheur, car la forêt me répond avec des fleurs. Les animaux me sourient quand je les vois, comme ils sont beaux à l'aube de leur vie tout bas. J'adore les pics, 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 les pivets. Insectes, sec, sec, même les vers. J'aime les sauterelles, les grenouilles et les ramiers, miers, miers qui un homme plein de tristesse, vous vous demandez une photo.
Ah, mais avec plaisir. Vous ne le savez peut-être pas, mais Henri Paul est mon ami. Et je suis triste que ma patronne l'ait mise à la porte à cause de son avocat. Que puis-je y faire? Vous êtes une femme. Ah oui. Alors entre femmes. Dites-lui que son bonheur est tout près d'Henri Paul. Ce Gulter n'est qu'à coordonner. C'est Isabelle qui l'intéresse, pas ma patronne. Si ça continue comme ça, on va tous devenir malheureux. Mais on a toujours besoin d'un truc. C'est promis, mon bonhomme, je parlerai pour toi à ta patronne. Oh, merci, ma vie. Ne pas tomber. Je suis trop bonne. Madame la baronne, j'ai également une requête. Encore? Ah ben, c'est les jours. Je t'écoute. Ne pourriez-vous pas dire à ce jeune homme que jouer les Ménie Grégoire, c'est bien, mais s'occuper de ses amours, c'est encore mieux. Et en même temps, dites-lui que la patience de femme est diminuée et que s'il n'a pas attendu encore plus longtemps, elle pourrait aller chercher son bonheur ailleurs. Oh. Eh bien, je crois que le message est passé. N'est-ce pas, jeune homme? Oui, je vous promets, je lui promets, que quand ma patronne aura pardonné Henri Paul, je l'épouserai.